Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Alors, il y a une semaine, je vous ai présenté cet équipement. On a reçu tellement d'appels, on a reçu tellement de personnes qui sont intéressées par cet équipement. Et nous vous en remercions. Nous remercions tous ceux-là qui ont partagé cette vidéo, qui ont voulu montrer comme ça cet équipement révolutionnaire en termes de qualité de l'eau des eaux de forage. Alors, je fais cette seconde vidéo pour faire quelques petites éclaircies et faire quelques petites explications. D'abord, de 1, je suis Alain Roger Fautsodada, je suis spécialiste du traitement de l'eau, je travaille pour SEES à Douala et nous répondons au 6 95 05 69 70. 6 95 05 69 70. Et nos bureaux sont à la Nouvelle-Rocité à Douala. Donc, je vous disais tantôt que cet équipement est comporté de quoi? Voici la sortie du forage. Là, c'est l'eau qui sort du forage. Et sur cet équipement, quand l'eau sort du forage, voici la boîte de commande du forage qui commande la pompe et qui en même temps aussi commande ce que je vais appeler ici le pressure tank. C'est ici que toute la pression se joue. Et voilà le tank de pression. Vous voyez, la pression est à zéro parce qu'il n'y a pas d'eau qui passe. Donc, l'eau, quand l'eau sort donc, du forage ici, voilà la sortie de forage, pour à tous nos amis foreurs, observez l'étanchéité, le plus important. Cette étanchéité, observez-la. Observez bien cette étanchéité, très important. Et n'oubliez pas qu'à la sortie du forage, on doit toujours avoir cette vanne, cette valve, qui permet de purger le forage ou bien de faire des prélèvements d'eau brute du forage. Donc, après que l'eau soit sortie du forage ici, elle passe par ce tuyau, et se retrouve dans ce pressure tank, dans ce tank de pression. C'est ici que toute la pression se développe sur l'eau. Et par la suite, l'eau sort par ici, là, par le bas. Et vous voyez, il y a un autre robinet pour les prélèvements. Et par la suite, l'eau va remonter là. Simplement, l'eau remonte, comme vous voyez. Et on a deux valves ici, comme vous voyez. Donc, l'eau remonte dans cet appareil. Qui peut enlever le fer? Qui peut enlever les organes, tout ce qui est indésirable dans l'eau? Donc, c'est cet équipement qui permet aussi de faire la filtration, d'enlever tout ce qui est nocif dans l'eau. Et c'est cela que tout se joue parce que cet équipement est multifonction. Et il est, on le design en fonction de ce qu'on a trouvé dans l'analyse de l'eau brute. Donc, l'eau va remonter dans le filtre jusqu'à ce niveau, dans cet équipement jusqu'à ce niveau. Et après avoir retenu tout ce qui est mauvais, l'eau va ressortir là et va descendre ici. Sur cet autre tuyau, là, je vous avais montré la dernière fois, on a déjà raccordé. Donc c'est là et c'est raccordé là dans le sol pour aller directement là dans la maison. Voici l'arrivée de l'eau dans la maison. Voilà, c'est là où l'eau rentre dans la maison. Et puis il y a encore un autre point de prélèvement ici, et tous ces points de prélèvement font partie de ce que nous appelons le réseau hydrique de la maison. Donc voilà à peu près ce qui se passe avec cet équipement. Donc cet équipement, beaucoup ont demandé les prix et je leur ai expliqué que les prix varient en fonction du volume, en fonction de ce que l'on trouve. Et j'ai oublié de vous montrer ceci. À cet endroit-ci, on peut doser le chlore, on peut doser un désinfectant ici pour que l'eau qui passe, qui rentre dans la maison, soit déjà parfaitement désinfectée. Donc, voilà à peu près ce que cet équipement peut vous donner. Et donc, cet équipement permet de pouvoir traiter votre eau directement à la maison, pour pouvoir avoir de l'eau de bonne qualité sans avoir un château, sans avoir besoin d'avoir un château ou alors avoir des cuves pour conserver ou alors stocker de l'eau. Donc c'est un équipement qui peut fonctionner à l'énergie électrique, mais aussi nous proposons que les Camerounais acceptent de l'avoir avec des panneaux solaires, parce que le panneau solaire fera que vous aurez
de l'énergie pour faire fonctionner cet équipement 24 sur 24, qu'il y ait de coupure d'électricité ou pas, vous aurez de l'eau tout le temps. Donc, c'est très important cela, que vous compreniez cela. Nous allons pouvoir fournir ces équipements au Cameroun très bientôt pour tous ceux qui vont passer commande. Donc, notre numéro, c'est le 695-05-69-70. Donc, je suis Alain Roger Fotsodada, je suis spécialiste du traitement de l'eau. Notre volonté, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Notre volonté, c'est que tout le monde puisse avoir de l'eau potable en quantité et en qualité. Et notre souhait, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes d'eau potable puissent nous contacter et nous allons pouvoir résoudre ce problème. C'est notre métier. Nous sommes spécialistes du traitement de l'eau. Merci. Bonne journée à vous. Au plaisir.